Bonjour tout le monde, je viens vous montrer dans cette vidéo deux créations que j'ai réalisées pour offrir à une Scrap Copine. La première création c'est celle-ci. J'ai réalisé cette carte avec une die sur du papier blanc que j'ai positionné en symétrie. C'est celle-ci. Derrière, j'ai placé du papier pailleté et j'ai découpé juste au bord de la die, de chaque côté. Je suis venue placer le tout sur un rectangle et j'ai recollé une nouvelle fois un papier rose à l'intérieur. Je suis venue faire une petite encoche pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. Ici, j'ai découpé cette forme 5 fois pour pouvoir reconstituer la fleur. Deux petites d'ici avec un petit peu de pistil. J'ai découpé avec une autre matrice, j'ai pu là sous la main, de feuilles que j'ai feutrées. J'ai mis des coups de feutre directement, du feutre à alcool, et j'ai mis du glossy accent par-dessus. J'ai collé un nœud ici, deux là. L'oiseau, c'est un tamponnage que j'ai trouvé chez Nose dernièrement. J'ai, avec du washi tape pailleté, j'ai découpé sa petite couronne. Et j'ai placé des strass sur tous ces petits cercles qu'il a sur son ventre et par-ci, par-là, sur la carte. Ma deuxième création, c'est un album pour Noël. Je vous mettrai le nom de la personne, comme ça vous pourrez suivre le tuto si ça vous intéresse de le réaliser. Donc, il est constitué de deux parties de volets identiques. Moi, j'ai fait un côté rouge et un côté vert. Ici, on a un petit volet sur lequel on pourra placer des photos, comme pour la droite. La même chose. On peut ouvrir. Je vais vous faire voir un seul côté pour voir. Donc ici, j'ai fait un petit feuillet, je vais glisser derrière la barre. Ici, c'est une pochette dans laquelle j'ai glissé un autre petit feuillet. Une cascade. Ici, deux panneaux. On pourra placer également des photos. Ici, j'ai mis un petit die cut. On peut glisser également derrière des photos. Là, il s'agit d'une pochette. Encore un petit feuillet derrière la barre. Enfin, je dis la barre derrière. Au milieu, une pochette dans laquelle j'ai glissé un feuillet. Et on peut encore placer ici, sous les volets, d'autres photos. Et donc la partie de droite, c'est l'équivalent en vert. Mon petit feuillet dans ma pochette, la cascade. Ah mince, j'en ai oublié la moitié là. Voilà, je remettrai du papier, j'ai oublié.
Heureusement que je regarde avec vous. Du coup, je ne sais plus si je vous l'ai dit ici, encore un feuillet. Là, on retrouve les deux volets. Ici, le petit die cut, la pochette. Une nouvelle fois, un feuillet. Et là, comme pour l'autre côté, la pochette, le feuillet et les petits volets. Et voilà. Bon, je vais faire ma petite réparation. Et voilà les deux petites créations. Si ça vous intéresse, allez voir la chaîne d'Odile. Elle explique super bien. Elle le fait en plusieurs vidéos. Et ben, en attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée. Bye bye!